Donc le problème, c'est quoi? Ah oui. Il faut revenir à la source. Parce que j'ai vu, j'ai dû assister au débat avec beaucoup de formes de croyants, ainsi de suite, les satanistes, tous ces genres de choses. Mais il faut toujours revenir à la source. Si on ne revient pas à la source, ça ne servira à rien. Les débats dans les plateaux, ça ne servira à rien. Ça va être du spectacle, l'audimat et tout ça. La source, c'est quoi? C'est d'abord l'homme noir. L'homme noir, il faut oublier les frontières, les langues, les tribus. L'homme noir d'abord. La spiritualité est une question de race. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que selon la Bible actuelle, classique, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que les entités qui sont dans le grand ordre des choses ont un ADN, une ADN commun à tous. Et l'homme noir a été fait de cet ADN-là. C'est en cela où je dis la spiritualité est une question de race. Si l'homme noir ne comprend pas ça, il n'avancera pas. Donc, il faut d'abord oublier le français, l'anglais, les tribus. Revenir d'abord comme un seul homme. Comme Christ a dit, en tout cas le vrai Christ, dans Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. C'est l'unification. S'il n'y a pas l'unification, ça ne servira à rien.